presse parlée, presse écrite et télévisée. À côté, j'ai le président de la Fédération protestante qui peut-être a placé Mopal parce qu'on a une grande activité comme ça en tant que président secteur. Et puis, j'ai un bon côté, j'ai responsable des droits humains au niveau international comme département des droits humains qui se passe sur Pierre Paul. Donc, je voulais dire nos objectifs, c'est d'abord dans l'occasion de réforme protestante dans le pays, vision pour Haïti et pour le monde qui sont organisations sociales évangéliques. Conjoncture pays à Jean Lié, l'en considérer Jean insécurité à la valetere, l'en considérer Jean pasteur nous a mouru tout partout dans le territoire, sans chaper l'autre secteur, qu'il était avocat, qu'il était journaliste, même Jean, nous t'a cap mentionné policier, donc pas de monde qui est pas nié. L'en ouais. Yon fi kap pale nan prezans li yo viole pitit gason e an prezans pitit gason yo viole l tout. Len gade jan Haiti desan a ter, nou di vizyon pou Haiti pou le monde, pap krete kampe ap fe mach selman, men ap inisye yon mouvman de kolok, de refleksyon sou kriz Haitien nan pou nmande repentans, pour nous demander un réveil national, pour nous réveiller, mais pour nous dire tout, il faut nous prendre conscience que nous tout fait. Donc, dans ce sens, via mot, écrit président fédération ou fédération protestante ou l'autre organisation, quelqu'un aspect COPA et toute l'autre organisation, mais impliquer tout des notables qui sont dans 10 départements, qui sont présidents de Ligue, ou bien représentants des associations des Ligues comme nous, c'est-à-dire toute la République d'Haïti là. Colloque ça dirait 3 jours, il commence jeudi à la fin dimanche. Objectif là c'est ça. Pour nous, ça qui a passé là, est-ce qu'elle pas passer dans quelque autre pays? Est-ce que petit lieu pas réunion je présente une alternative? Mais nous réunis en bas chapeau l'Éternel, nous croyons que bon Dieu qu'a fond bagaille. C'est comme ça conférencier nous sorti en Haïti tant coup étranger et dans fin a sorti résolution hein? Pour que nous le fassions dans tout département. Donc, nous expliquons, nous là comme fondateur Viamo, qui est coordonnateur, nous là comme ambassadeur Caraïbes l'Amérique latine, et son initiative qui comprend dans l'autre pays, mais qu'on a nous commencé à faire, il y a une façon pour nous arriver national là, parce que Haïti n'a pas de droit pays, il faut qu'Haïti crampe encore. Et qui sont qu'a dit sur vague qui n'a pas été fait dans Haïti? Non, nous qu'a dit pas de langage. Donc, comment pour vivre dans un pays aujourd'hui? Il y a des kidnappés tout partout. Pas seulement des kidnappés qui ont fait tout partout, mais comment comprendre un pays séparé? Capital pays a même ou pas calé dans le nord. Un représentant fait 3 heures dans 4 heures de temps, maîtrisé par des troupes de 70. Comment comprendre aujourd'hui? Il n'y a pas de possibilité pour une machine pour te manger dans le arrondissement de Belan si séparé. Parce que un groupe qui prend yo dans la zone. Et font parisien grandier. Ça a gagné près de 4-5 mois. Nous avons toutes les troupes militaires, nous n'avons pas rien. Comment comprenons-nous pas aller dans le nord ou dans le sud parce que Matisse a pris un béo? Comment comprendre que les groupes sont fédérés et aujourd'hui, situé tout partout, ces groupes qui ont des âmes dans les si pas une conscience citoyenne, si pas une conscience des générations noires, puis des vapes pitrices. Et Format dit nous, c'est ça fait nous séparer question politique active là pour nous prendre direction de conscience nationale et autour de là avec des leaders responsables qui dirigent des milliers de peuples pour nous dire si nous pas fait ça l'homme va venir la caille pas nous si nous pas fait ça la venir sous petite nous donc pas grand monde qui épargne donc insécurité a li pas préoccupé aucune organisation tant qu'organisation des droits humains qui à travers le monde yo ta doit impliquer de ça comment comprendre un pays dans état lié là. Et pourtant, c'est celle des élections seulement au palais des pays. Donc nous prenons. Longtemps, tu as pris les Nations Unies réunies, mets ton résolution dehors. Longtemps, tu as regardé quoi groupe où tu as pris réuni, et puis tu as exigé le président de la République là, par explication de quelqu'un qui mourit, madame ni, il a fusillé un pasteur, toute madame, après 50 ans, il a travaillé, il parle en politique, quoi, il a fusillé, et puis tout est là, il a été là. Et puis il n'y a aucune justice pour ça. Comment comprendre que. Des millions de protestants sont dans tout le pays
mandé entre au code pénal. Président pas même bonne réponse, il pas même réuni avec nous. Mais président Fédération protestante dans pays pas chita avec le deal, mais ça le dit de nous. Donc société a pas arrêté comme ça et me garantie génération débat son a fait là nous démarrer là n'a débouché son réveil national mais nous prêts tout pour nous pardonner moun mais pour nous pardonner faut que nous jeunes nos faiblesses et nous des faiblesses et qui ça n'attend qui soit mandé par rapport à la situation ça et réveil national là conscience nationale là haïtien ou aussi s'endormi et c'est ça que fait et lui-même comme responsable des droits humains nous nommons nous grand département des droits humains dans Viamo qui nous pas jamais faire fonctionner pour ça nous fait nous regrouper toute structure droits humains à travers l'international nous organisons collège des avocats nous mettons disponible pour ça et puis si pour nous porter bagarre là devant des tribunaux pour nous faire mais plus gros force c'est la prière donc faut nous faire appel à la prière faut nous faire appel à l'unité faut nous faire appel à tête ensemble et conscience nationale donc nous avons mis l'autre monsieur placé mou pa yo mais parce que nous connaissons les m'a parlé à comme donc ça un peu nuit parce que les m'a regardé cadavre là les m'a regardé mort ou connaît donc en pile émotion et m'pa veut déranger personne et c'est ça fait débat nous avons démarré entre nous pour nous joindre un résultat positif. Comment vous comprenez l'attitude du gouvernement face à la recrudescence de sécurité? Comment vous comprenez l'attitude du gouvernement face à la recrudescence de sécurité? Bon, seulement moi le silence. Et seulement moi le silence. Et puis, et c'est tout ça qu'on a questionné là. Et ça fait, faut qu'on réponse des sociétés civiles là. Faut nous déplacer le ballon dans le terrain politicien. Pour nous porter le souterrain société civile. Et c'est société civile là doit bailler signal là. Et c'est ça qu'on a fait là. Parce que les politiciens ont échoué. Et ou pas capable de compter son alternative politique. Il faut qu'on aille vers une conscience citoyenne. Côté citoyen qui a mis ensemble pour prendre destin en main. Parce que si les politiciens suspendent la pensée de bien-être pays, madame Mac Petit, côté mon qui est en train de faire pour violer madame Mouna Figuero. Et ça fait tout côté, en rien pas dit. Donc moi-même, quand j'ai un bagage sur compte, il faut que m'entende pour nous chercher des trois personnes qui peuvent vendre un nom à personne. Et puis pour qu'on réfléchisse ensemble. Bon, laissez-moi dire non. Fédération protestante d'Haïti, l'issue organe représentatif secteur protestant. En Haïti, tout ça qui a fait à caractère social et religieux, eh bien, Fédération protestante d'Haïti, lui-même, est toujours là pour venir encourager les acteurs. Et surtout, Viamo, c'est membre de la Fédération protestante d'Haïti. Et nous avons encore Dr. Maxo Joseph, lycée ambassadeur de la Fédération protestante d'Haïti. Alors nous-mêmes, nous venons là comme président pour m'encourager à l'activité ça, parce qu'ils sont bien qu'à faire pour nous chercher une solution spirituelle, parce qu'il y a un problème spirituel dans le pays d'Haïti. Nous essayons, parce que nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources naturelles dans le pays. Nous, toutes les capacités sont réunies pour nous capables de démarrer Haïti. Mais nous essayons tout le bagage, ça, nous pouvons trouver une solution. Donc, nous groupe de réflexion, ça, nous avons pensé, nous après, qui ça nous capable de faire pour nous capables de trouver une solution avec le problème du pays d'Haïti. La sécurité, kidnapping, tout le monde. Bon, écoutez, non, mais ça préoccupe tout le monde. Ça préoccupe pas grand monde, moi, pas haïtien. Parce que, comme on comprend, je dis, même l'aime dans la machine, moi. Même l'aime dans la machine, moi. Donc, toujours à veiller, motocyclette, si on ne peut pas croiser devant, si on ne peut pas veiller, ou on commence. Donc, ça, chaque l'aime dans la même, il y a un problème. Mais il faut qu'on sorte, moi, sorti. Donc, bagaille ça, l'intolérable, l'inacceptable. C'est ça qui fait que, donc, réflexion, ça qui fait maintenant sur conscience nationale, à travers donc, les leaders religieux et autres, pour nous, qui sont capables de faire pour nous une solution spirituelle. Avec problème d'ordre spirituel, ça. Et comment on peut s'y mettre? Depuis tout ça qui a passé dans le pays, mais ça va empêcher que les représentants du secteur protestant dans KIB et neuf hommes. Bon, question ça, lui-même, je ne peux pas répondre qu'on y a là parce que je parlais sous ça déjà dans la presse, déjà, je me prononçais déjà. Je ne peux pas répondre à question ça. Mais l'autre bagaille. Bon, non, ça faut que nous, autorités, fassions silence. Parce que l'autorité, pas écoutez, l'État, attendez, c'est. Lui-même qui garant, on nous dit responsable autorité de l'État, c'est garant bonne marche pays d'Haïti. Le problème est sécurité. Ah ben, c'est pour l'État pour responsabilité. Problème grand goût, pour l'État pour responsabilité. Problème blackout. Faut que l'État, parce que l'État c'est rôle ça même. C'est ça avec le peuple à bailler mandat à des autorités étatiques pour venir résoudre le problème. Ne. C'est pour ça qu'on bail mandat même. Donc, autorité étatique, de météo, donc au niveau, au moins pour répondre à problème d'ordre
ça a ravagé le pays d'Haïti, ça, d'autres sociales, ça. Ça, c'est un bail qui est important. C'est ça qui fait l'autorité, mandat même pour résoudre le problème peuple là. Donc, on a demandé l'autorité de l'État, monsieur, c'est nous qui avons responsabilité, bail peuple la sécurité, bail peuple à manger, bail peuple à moyen pour le vivre, pour peuple à sentir la vivre, pour tout le monde. Donc, c'est ça que moi-même, comme président de la Fédération protestante d'Haïti, je suis capable de dire là. Moi, c'est pasteur Pierre-Paul Joseph. Je vis aux États-Unis, plus précisément en Floride. Mais matin, pour moi, j'étais entré depuis semaine, pour moi, entrer dans l'activité ça. En pile, les amis, et même l'église que m'a dirigé, pas d'accord. Voir que je m'attrape madame, moi. Parce que la situation haïtienne, qui s'est tellement dégénérée, ça m'était nous vraiment inquiété pour les que nous entrons dans le pays. Mais là, nous regardons, nous voyons que l'insécurité, c'est une insécurité qui planifie. C'est une insécurité qui est dictée par nos mains. Parce que l'on prend avocat Doval, la communauté internationale a demandé pour une enquête indépendante. Et écrit le président Jovenel plusieurs fois, il y fait silence sur lui. Et bien, si vous n'avez pas gagné, vous avez caché. Mais pour qui ça, que vous n'êtes pas d'accord pour vous, que la communauté internationale a voulu une enquête. Il vient chercher qu'on est qui j'ai avocat. Ça veut dire que nous avons une situation qui est vraiment critique, qui fait qu'il faut que tout secteur dans le pays, campé moi-même qui dehors, non seulement je travaille dans le pays, je travaille dehors, et qu'il y a des démarches que nous entreprendre pour nous voir qui côté que nous arrivons avec la situation pays d'Haïti. Nous parlons en silence et nous travaillons, et dans le jour où nous venons, nous avons une déclaration que nous avons fait dans la situation que Haïti est trouvée là. Donc vous préoccupez par la situation? Oh oui, en pile, et toute diaspora. Et tout diaspora nous préoccuper en pile parce que tout d'un moment là, mon collègue pasteur nous apprend qu'il mourit à toute madame. Il entré, qui fait un travail aux États-Unis après 50 ans, après 50 ans de travail dur, entré à madame ni, même j'ai entré à madame moi, entré tuer yo, et il est venu pour une retraite. D'ailleurs, nous tous qui devons, nous voulons un jour pour nous tourner à Haïti. C'est ça fait que moi retourner à Haïti, son pays, nous ne pas dire que. Et je me suis dit, est-ce que je suis venu dans le pays? Puis je me suis fait dehors, je ne peux pas rentrer en Haïti. Chaque fois que je suis entré en Haïti, le problème m'était pris. Ça fait que je n'ai pas fait de travail, je n'ai tué ni madame, ni petite, dans le pays comme ça. Qui message que vous voyez? Vous dites, les gens qui sont dehors, pas venu parce que le pays a, et c'est touristes allemands qui portent en pile l'argent dans le pays a, ou dit, les gens pas venu. Et est-ce que vous dites, les gens pas venu, ça vient de passer? Le pays a livré à lui-même. Par exemple, il y a aucun côté qui s'apprend dans le pays, tombe dans le trou, dans le côté de la rivière, nous pas qu'à descendre plus bas encore. Il faut que vous bagaille qui vous faites. Parce que la sécurité dépend de l'État. Si tout ça qu'a fait, yo, gang, yo, gardez barbecue, campé sous, et ma suivi, monsieur, qui campé, qui dit que oui, c'est gang. Lui, c'est gang. Et yo dit, on met mandat de elle. Depuis là, ça n'a pas eu de monde qui approche le barbecue pour dire attention, nous arrivons au moment pour mettre mes sous. Barbecue fait salve, l'alcote elle ou est que son gang qui gon mec à soutenir. Avec la société civile, là, nous même pas ici, il faut que nous campions. Parce que si ça, ou capable de dire ça arrive de bon côté frère, il va arriver côté, il va arriver côté tantine, il va arriver côté, il y a un jour, la caillou, excusez, si que nous étions bras croisés de Badiaï.